Voilà. C'est la merde totale. Donc la neige, c'est très très beau. Il n'y en a jamais quasiment ici parce qu'on est à basse altitude et que voilà. Donc là, c'est vraiment que il fallait que ça neige quoi. C'est pas cool du tout parce que c'est pas déneigé du tout les routes et que ben ce matin, je dois aller faire ma prise de sang pour vérifier où j'en suis dans mon taux d'hormones et qu'on doit monter après sur Lyon pour ma visite chez la gynéco pour voir où j'en suis. Donc ben ça va être génial. Du coup, je pense qu'on va partir très vite parce que sinon on va jamais arriver, même si mon rendez-vous est genre dans 3 heures quoi, même plus, mais voilà, c'est super. Chérie, t'es content? Bon. Ça fait grave poivreau en fait. Derrière, il y a le truc de pastis, tu sais. On a fait un repas pré-Noël en famille en fait, et du coup, bah forcément, hein, ça a bu un petit peu de pastaga. Voilà, c'est beau la neige, hein. Ben, ça fait chier. Mais ça fait chier. On est d'accord. Bonjour. Oui, merci. Ça va bien se passer. Pas très loin, mais bon. Ouais, mais bon, ils ont pas trop déneigé, hein. Ouais. Regardez-moi cette couche là. Attends, je vais essayer de monter sans me casser la gueule. En plus, on est garé comme un caca. Ça glisse à mort. Là, il y a le truc. Coucou les chéris. Il enlève la neige. C'est trop bien la neige. Enfin, j'aime trop, mais... L'endroit où on est bien, c'est sous les sapins. C'est ça. On va faire une petite cabane dans les sapins. Tiens. Oh, et je voudrais un bonhomme de neige. On fait un bonhomme de neige. Bon, allez, bon. Et ben, on a réussi à arriver jusqu'au centre-ville pour faire ma prise de sang. Donc, check, c'est fait. Et maintenant, il faut qu'on monte sur Lyon. Et apparemment, genre, au lieu de quoi, 40 minutes, il y en a pour 2 heures, quoi. On devrait arriver à l'heure hein, si on a pour 2 heures. Hein. Donc on va y aller direct. Hein. Qu'est-ce qu'on dit, chérie? C'est ok? Ouais. On va essayer. On va essayer. Allez, c'est parti, les gars. Comment elle a patiné avant? Ouais, on a fait. Putain, on a fait patinoire land. On était bloqué à moitié au milieu d'un carrefour. C'était un peu la merde. Pourtant, on a quand même 2 pneus neige. Voilà, mais. Ça n'inaugure rien de bon. Voilà. On a vu une saleuse. Hein. Ouais, on a vu une saleuse. Ouais. Enfin, c'est franchement dans ce pays au niveau de la neige, c'est la merde quoi. Enfin, vous me direz, moi je suis con comme mes pieds, j'ai même pas mis mes pneus neige encore. Alors, je pense parce que d'habitude il neige pas en fait en bas. Il neige un peu plus haut à la limite vers l'hôpital où je travaille, mais pas en bas. Donc normalement on peut monter sans trop de soucis. Et là, ben c'est la merdasse. Voilà. Je pense les gars qu'on aura mis 2 heures pour arriver à destination. On n'est pas encore arrivé en plus. Hein. T'es au bout, chérie? Hein? T'es au bout? Ça va, chérie, il est calme. Non, on est au chaud dans la voiture et tout, mais en fait, c'est pas tant que les routes sont dégueulasses sur l'autoroute là, mais c'est que le périph, c'est que en fait, ça bouchonne méchamment quoi. Donc on n'arrive pas à avancer et voilà. Moi, j'ai la tête dans le cul de fou parce que j'ai mal dormi. Donc voilà, c'est une belle journée. Nous venons de passer 2h20 dans les bouchons pour arriver et faire 5 minutes de consulte. C'est vraiment merveilleux. Hein chéri, t'es content? Venez, on est content. Voilà, donc c'est cool. J'ai un petit ovocyte qui va se préparer. Il est à gauche, on s'en fout. Il soit à gauche, qui se prépare bien gentiment. Donc bah, moi je pense qu'elle veut assurer le coup. Donc du coup, on reste à un dosage pas très très élevé. Par contre, bah, du coup, j'y retourne dans 2 jours. Donc c'est reparti pour une prise de sang dans 2 jours et pour retourner la voir pour faire les pots pour voir où on en est. Et donc ben, insémination a priori jeudi ou vendredi. Plutôt vendredi, mais peut-être jeudi si jamais le pic de LH a grimpé et qui nous fait une petite blague. Voilà. Et ben chérie, on est content, on va repartir. Hein, voilà. On va repartir se taper peut-être les bouchons de merde. C'est pas non, trop. Non, c'est non, ça a l'air d'aller, on va voir ça. Voilà. Et puis bah après on verra cet après-midi si j'arrive à aller bosser ou pas, parce que
L'hôpital étant perché sur la colline. Je ne sais pas si je vais réussir à monter vu que je n'ai pas mis mes pneus neige. Je suis en train de perdre ma pochette. Voilà, allez, on continue les gars, la journée. C'est parti, je pars à l'aventure dans ma voiture sans pneus neige. En mode, je vais mourir parce que j'ai pas de pneus neige. Donc voilà, donc c'est parti, je vais bien garder mes deux mains sur le volant. Hein. Je vais voir si j'arrive à les pousser. J'ai réussi à arriver sans souci en fait. Finalement, comme il a plu un peu et que ça s'est radouci, la neige a fondu sur la route. Par contre, c'était genre l'enfer total. Parce qu'en fait, dans la montée pour aller à l'hôpital, il y avait genre des gens en plein milieu de la route, qui ont laissé leur voiture, je pense, et qui sont montés à pied pour bosser ou j'en sais rien. Donc c'était carrément le bordel, mais c'est pas grave, c'était drôle, ça m'a fait rire, je me suis cru dans un rallye, t'as vu. Voilà, ben du coup je vais essayer d'aller bosser cet après-midi. Ouais. Donc je vais me retrouver encore dans ma journée wall again. Je suis décalquée, je vous jure, franchement je suis vraiment trop fatiguée. Vraiment ces problèmes de sommeil que j'accumule là, enfin ce manque de sommeil, ça m'épuise. Et là c'est pas du tout une question d'hormones, c'est que je suis vraiment KO quoi. J'ai vraiment du mal à avoir un sommeil convenable. Bon, hier je me suis blindée de coca aussi pour tenir la journée là, de mon spectacle, parce que j'étais un peu fatiguée déjà. Du coup ça fait que j'ai pas dormi la nuit parce que je m'étais blindée de coca. Du coup là vraiment je suis au radar, je vous jure, je m'endormirais, mais vraiment un truc de fou. Et puis je commence vraiment à avoir besoin de vacances, que là j'en avais marre, j'avais pas envie de le voir mon patient, mais un truc de malade quoi. Il était pas désagréable du tout, petit pépère, hein, mais voilà. En fait j'ai vu un petit monsieur qui avait été vu par ma stagiaire l'année dernière, enfin en juin en fait, qui avait fait un AVC, bon je vais pas vous détailler le territoire de l'AVC parce que ça va pas trop vous parler, mais voilà, plutôt du côté gauche, et qui du coup... avait une dysarthrie, donc des difficultés à parler, et puis il conduisait plus parce que difficulté de concentration, pour faire plusieurs choses à la fois, etc. Et là, donc, on me le réadressait 6 mois plus tard pour refaire un bilan comparatif, donc un comparatif bof, parce que c'est pas moi qui ai fait le premier bilan, je le connaissais pas ce monsieur, donc bon, j'aime pas trop, mais bon, c'est pas grave, on va dire que ma stagiaire a bien fait le travail, je lui fais confiance, et voilà, donc là je l'ai revu, je viens de lui faire le bilan, et ma foi, en fait le souci c'est qu'il a pas de suivi orthophonique alors qu'il devrait en avoir un, qu'il fait les exercices comme ci comme ça que l'orthophoniste lui a donné à faire à la maison. Et puis il se plaint effectivement de ne pas pouvoir reconduire, mais en même temps, voilà quoi, moi je lui ai refait le bilan et franchement, alors il y a des choses où c'est un peu mieux, mais il y a d'autres domaines où c'est franchement pas possible quoi. Enfin, clairement, il est ralenti, il est vachement sensible à l'interférence, donc dès qu'il se passe un truc autour, il est dispersé. Ça fait que s'il y a un truc inattendu qui survient au volant, et ben voilà quoi, je pense qu'il écrase un piéton ou il tue quelqu'un quoi. Donc clairement, voilà quoi. Donc à mon avis, ça sent pas très très bon pour qu'il reconduise tout de suite. Et puis peut-être même plus, parce qu'il a quand même 75 ans, donc je sais pas trop s'il va bien récupérer. Sachant qu'en plus, il a fait un AVC certes, mais qu'en fait, il a un cerveau vasculaire à mort. Ce qui fait qu'en fait, il a plein de petits, en gros, micros AVC, pour schématiser le truc, un peu partout au cerveau. Et voilà, donc pas sûr qu'il reconduise bien. Hein. Voilà, donc là j'essaie de boucler mon compte rendu tant bien que mal sans m'endormir. Et puis après, je pense que je vais vraiment pas traîner parce que je suis vraiment, mais je vous jure, je suis déchiquetée quoi. Moi qui ai tout le temps la patate en temps ordinaire, oh my god quoi, je suis vraiment déchirée quoi. Donc voilà. Et après, ouais, je vais me rentrer. Et franchement, je pense que je vais essayer de faire une sieste parce que j'en ai trop besoin là. Et puis après, demain, c'est mon dernier jour de boulot. Après, je suis en vacances pour presque 2 semaines. Et ça, c'est cool parce que du coup, je vais pouvoir filmer des vidéos. Je vais pouvoir me reposer un petit peu parce que franchement, j'en ai besoin. Et voilà quoi. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure hein, de toute façon, normalement. Les petits amis. Voilà. Oula, je suis complètement démaquillée. Ouais, ça fait plus d'une heure et demie que je suis couchée. Je dors pas vraiment, je somnole. J'ai mal à la tête. Je suis vraiment pas très couille. Donc c'est pas très très cool, ce qui fait que du coup j'ai même pas pu préparer à manger pour mon homme quand il rentrera. Parce que comme je suis brassouillée, en fait j'ai vraiment pas envie de toucher la bouffe. Voilà, donc c'est... Ouais, c'est relou, c'est un jour un peu à la con aujourd'hui, hein. Ça partait pas trop bien avec la neige qui foutait la misère, mais là, vraiment trop de fatigue, et ça joue vraiment trop sur mon petit corps tout...
tout petit, tout chétif, j'ai envie de dire. Non, pas chétif, mais voilà. Ça joue bien en tout cas. Là, je suis vraiment, ouais, non, je suis vraiment KO. Donc voilà. Donc je pense que je vais à peine manger ce soir. Et puis voilà. Et puis bah, du coup, j'ai mon chat qui, quand je suis un peu patraque, elle le sent. Donc elle est trop chou et elle me colle un truc de malade. Là, elle est couchée à côté du lit par terre. Elle a été couchée un bon moment sur le lit, jusqu'à ce que je me lève un petit peu pour aller boire un coup. Et voilà. Donc il faut que je tienne un petit peu le coup là encore, hein, parce que j'ai encore demain à bosser. Et après, franchement, je pense que je vais être super contente d'être en vacances, parce que vraiment, je n'en peux plus. Donc voilà, donc ça va très bien tomber. Et puis, bah, ma foi, ce soir, eh ben, encore une piqûre, et demain, encore une piqûre. Voilà. Et on verra mercredi, du coup, ce que ça donne. Bon, bah, je vous filmerai peut-être encore un peu de vlog tout à l'heure. Mais enfin, c'est pas très intéressant aujourd'hui, vu que je suis complètement à plat. Mais vous voyez que ben, y a vraiment des jours où ben, c'est pas la grosse, grosse forme. Ça arrive, ça m'arrive, comme à tout le monde, malgré que j'ai souvent la patate, et ben il y a des fois où c'est un jour off. Voilà. Et ben je vous dis à Mon tout à bébé l'heure. chat, qu'est-ce que tu fais? Bon, t'es inquiète parce que maman elle est couchée. Hein, mon chat? Bon, alors, mon chat. Ouais! Elle me fait rire. Recoucou, et eh ben je suis toujours couchée. Je craque un peu en fait, pour être honnête avec vous. J'ai ma gynéco qui vient de me rappeler. Elle m'a dit que mon taux de LH commençait à grimper un peu vite. Et du coup, j'ai une autre piqûre à me faire en plus pour calmer un petit peu la montée de LH, pour pas que j'ovule en gros trop vite à blanc, quoi. Voilà. Je vous avoue que je suis fatiguée, vraiment fatiguée, et que je craque un peu, ouais. Voilà, j'aime pas trop craquer comme ça, mais en même temps, je me dis que ça fait aussi partie de la vie, donc voilà, pourquoi pas partager ça aussi, quoi. J'ai vraiment un coup de baisse de morale, parce que bah, je sais pas en fait. Si le fait d'avoir des migraines, d'avoir la mal au ventre, la nausée, tout ça, je sais pas trop à quoi c'est dû, si c'est pareil, si c'est la fatigue, si c'est parce que ça me dérègle tout au niveau hormonal, etc. Et j'avoue que c'est un peu dur aujourd'hui. Ok, bref, voilà, donc j'ai pas la grosse forme, donc c'est pas. Je suis pas trop dans l'ambiance de Noël, et je suis pas trop trop bien. Voilà, ça arrive de temps en temps. Donc j'espère réussir à dormir un petit peu ce soir quand même, parce que sinon enfin, en fait, ça commence à me déprimer un peu, parce que quand on dort pas, on a vraiment le moral dans les chaussettes et on supporte rien. Et j'espère vraiment que je vais réussir à dormir, parce que sinon, en même temps, si je me mets la pression, j'y arriverai jamais. Mais voilà quoi, parce que vraiment là, je tiens plus du tout. Je vais couper, parce que là, voilà, je craque.